Dans le but avoué de minimiser l'inflation et de stabiliser la devise nationale, la Banque centrale du Nigeria a augmenté ses taux d'intérêt de référence de 12 à 14%. Le gouverneur de l'institution Goodwin Emefiele estime que la hausse récente de l'inflation est plus une question structurelle que monétaire. Mais les milieux d'affaires ne sont pas heureux de cette décision. Reportage. Avec les derniers chiffres sur l'inflation au Nigeria qui atteignent un sommet historique en 10 ans à 16,6 % et sa devise qui connaît d'importants problèmes, les milieux d'affaires se sont tournés vers la direction du Comité de politique monétaire de la Banque centrale du pays pour voir comment ils répondraient. Et cette réponse est venue après que le comité s'est réuni pendant plusieurs heures mardi dans la capitale nationale avec le gouverneur Goodwin Emefiele. Il a annoncé une augmentation de 2 points de pourcentage. Si nous favorisons la stabilité des prix en ce moment grâce à un changement des taux d'intérêt, c'est pour favoriser un recul de l'inflation. Les parties prenantes pourront y trouver leur compte et cela devrait encourager la venue de capitaux dans le pays. Et comme il y a plus d'investissements, cela permet la venue de devises fortes dans le pays, ce qui favorise la croissance. Cette décision a causé une certaine surprise et malgré l'explication offerte par le gouverneur de la Banque centrale, certains analystes estiment que la hausse du taux d'intérêt préférentiel ne signifie seulement que les banques vont suivre la tendance et elles aussi vont augmenter leur taux d'intérêt. Aujourd'hui, le secteur industriel trouve difficile d'avoir accès à des devises étrangères. Il trouve aussi difficile d'avoir accès au financement. Et avec cette nouvelle politique, ils vont trouver encore plus difficile d'avoir accès aux fonds. Les activités du secteur industriel ont déjà baissé lors du premier trimestre. Elles vont probablement baisser lors du deuxième trimestre. Maintenant, si vous leur refusez l'accès au financement et aux devises étrangères, que pensez-vous qui va arriver? Ce n'est toujours pas clair si cette décision aura un impact sur l'inflation et favoriser l'afflux de capitaux étrangers. Mais le comité de politique monétaire a aussi été clair sur le fait que d'autres gestes devront être posés, notamment dans la sphère fiscale, pour que le pays se relève et reprenne le chemin de la croissance. Le gouvernement doit en faire plus pour appliquer les mesures prévues dans le budget de 2016. Nous pensons que la meilleure raison, même s'ils ne veulent pas l'avouer, c'est qu'il faut stabiliser le taux de change et les prix. Mais cela est une façon de favoriser la stabilité des prix à l'interne, ce que nous appelons communément le taux d'inflation. Un taux de change stable est bon pour l'indice des prix sur lequel reposent en grande partie les coûts des importations. Les marchés du taux de change des devises étrangères n'ont pas répondu de manière très positive à la décision. Le Naira nigérian s'est encore affaibli pour atteindre un plancher historique à 334,50 pour un dollar américain sur les marchés interbancaires.